Jésus m'en dit une prière, Jésus m'en dit une veillée. Priez pour pas décourager, pas quitter nos mots attristés. Il t'en est plein, tu en soupillons, il te pour dire tout en mots. Jésus m'en dit une la foi, même le moment où paraît toi. Fais-lui confiance, la délivrer, lui pas quitter ou la visiter. Parler avec lui dans quel mot. Tout bagage a changé pour nous. C'est lui qui fait tout bagage, c'est lui qui crée nous. Même si problème y a en pire, lui pas abandonné. C'est lui qui fait tout bagage, c'est lui qui crée nous. Well, gloire à Dieu, merci Seigneur, alléluia, à l'Éternel, soit la gloire, l'honneur, la majesté au siècle des siècles, alléluia. N'a profité saluer téléspectateurs noyaux, téléspectatrices noyaux qui branchent. Édition Ubuntu 13 TV, chaque jeudi à partir de 7h30, nous également dans studio Ubuntu 13 TV pour nous capables propager un grand nom à travers le monde, à travers la terre, le plus grand nom du monde. Un nom qui permet le monde caché, un refuge lit. Il y a un nom qui permet que le monde capable joigne appui. Non, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ, le vrai Dieu de l'humanité qui créait le monde et qui mettait l'homme en existence. Moi, saluer auditeur Radio Foi Apostolique. Qui branchez nous dans minute ça, eh bien, nous rejoignons émission Paola. Émission qui pour dire vérité. Émission qui pour ouvrir les yeux spirituels. Qui pour permettre l'esprit de Christ capable de manifester dans la vie Pao. Non pas c'est David Sirai, un simple frère. Pour proclamer la vérité absolue. Nous saluons tout pasteur, tout évangéliste qui engagé pour prêcher la parole. Nous saluons tout frère avec soeur à travers le monde entier. Nous saluons dans plus grand nom, le Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur est capable bénir abondamment. Et pendant que nous allons passer quelques minutes ensemble à travers l'écriture de la parole de Dieu, mais nous demandons prendre quelques minutes jusqu'à ce que nous venions retrouver staff nous qui est habitué à faire lecture pour nous, bénir nous à travers un cantique juste avant même nous rentrer dans l'enseignement de la parole de Dieu. Restez avec Radio Foi Apostolique pendant que vous suivez et tendez belle musique qui est vraiment sélectionnée, et nous espérons que dans un petit moment, nous retrouverons encore. Que le Seigneur nous grâce soit capable de bénir tout le monde qui branche et tout le monde qui va suivre l'enseignement de Ubuntu 13 TV. Merci en pile.
Nous retournons, chers téléspectateurs, amis, auditeurs de la radio Foi Apostolique. Nous encore avec vous pour une très très belle émission qui c'est l'enseignement de la parole de Dieu comme à l'ordinaire pour tout le monde qui remet la Bible, plus grand livre dans le monde là. Donc nous retournons pour nous capables de parler pour quelques minutes. Pour nous capables de faire des discussions concernant de la parole de Dieu. Nous saluer les amis qui sont encore branchés, soit sur Facebook, qui suivent nous en direct, et nous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Comme à l'ordinaire, nous avons toujours gagné notre bien-aimée sœur Bernadette Mathurin, qui est avec nous, avec la sœur Carole Nazaire. Mais pour assurer, nous va gagner sœur Carole Nazaire avec nous en ligne, mais nous gagner la sœur Bernadette. Rapidement, n'a laissé le béni nous à travers un cantique, parce que là c'est animateur à un animateur émission et très juste pour me ka dit animateur me passer comme garçon. Je dis le masculin a bien plus pouvoir sur le féminin. Les nous t'a fait grammaire. Bon. Et oui, c'est un animateur yo. Et l'Ipral chanter pour nous, et puis après quoi, n'a rentré dans la parole de Dieu. N'a salué sœur Bernadette Mathurin, n'a dit bonsoir, que le Seigneur te bénisse. Amen. Ça va faire la vie. Béni soit l'Éternel, gloire à le Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Bon salut à tous les bien-aimés auditeurs du Christ,
existe, de le plus grand nom de l'humanité, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, notre Père éternel. Moi, c'est Chanel Maturé, je suis pour la boîte, je suis sur les mauvaises vies, salut Pasteur David Kiraï. Je me dis que Dieu est engagé pour proclamer le message de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ à tous collaborateurs. Grâce à Dieu qui permet d'expérimenter la parole de notre Seigneur Jésus-Christ à travers les chants et les chants et nous allons entonner en pratique pour la plus de gloire le Seigneur Jésus-Christ qui est le seul Dieu, qui est le seul vrai Dieu à jamais. C'est toi, Jésus, que recherche mon âme à se trouver. Je parle même, que sur moi je réclame, oh, moi Seigneur, oh, moi ta douce paix. Dieu, merci Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions la sœur Bernadette Maturin qui t'a béni nous à travers yon cantique. Nous bénissons les seigneurs pour ça. Nous baillons bon Dieu gloire pour ça. Et n'a avancé, n'a lié une portion de l'écriture. Dans
Jude, épître de Jude, et chapitre 1er, il y a quelques versets, pas même un chapitre, mais quelques versets, et n'a li à partir du verset 1er jusqu'au verset 7, à la gloire de Dieu. Jude, esclave de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés à renaître, qui sont prodigieux par l'Esprit des vivants, notre Père, à savoir Jésus le Messie, qui les préserve, le verset 2, que la miséricorde, la paix et la résignation abondent parmi vous. Très résigné lorsque je me suis appliqué avec toute intelligence pour vous écrire de notre salut commun. Il était nécessaire pour moi de vous informer et vous encourager à vous affirmer avec faveur pour la foi réelle qui a été accordée irrévocablement aux saints. Car il s'est glissé secrètement et par négligence parmi vous un certain genre d'homme qui était auparavant et de toute éternité désigné par écrit à être condamné, des imposteurs impies qui transforment la grâce de notre esprit des vivants au sujet d'insolence et qui renie le seul souverain, Jésus le Messie, notre esprit des vivants admirable. Verset 5. Je désire ainsi vous rafraîchir la mémoire, quoique vous saviez ceci auparavant, que l'admirable ayant délivré du peuple du pays d'Égypte, détruit ensuite ceux qui ne crurent pas. Le verset 6 et 7 pour terminer, et qu'il garde des restrictions sans fin en des ténèbres profondes pour la séparation soudaine du jour terrible, les ministres de la foi qui n'ont pas persévéré soigneusement leur état premier, mais qui ont abandonné leur relation particulière à l'admirable. Verset 7. Qu'il garde, verset 7, comme Sodome et Gomorre et les villes voisines concernées qui s'étaient abandonnées à l'idolâtrie, de la fornication de la même manière qu'eux, et poursuivant, après avoir une nature étrangère, servent d'exemple en subissant la vengeance de feu éternel. Parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous apprenons le soin pour nous capables. Saluer quelques amis qui branchaient l'émission. Mais juste avant, n'a quitté avec Radio Foi Apostolique, n'a béni non. Quelques secondes. Amplifier.
nous retourner, chers téléspectateurs, pour nous capables de présenter un enseignement. Justement, nous avons salué quelques amis qui t'attendent nous impatiemment pour nous présenter un enseignement à soi qui c'est être sauvé pour l'éternité. Être sauvé pour l'éternité. On nous salue quelques amis qui branchent nous rapide. On a salué le frère Jasmin, le Gonaïvien. Nous saluons que le Seigneur est capable de bénir. Nous saluons le frère François Exantus Lionel. Nous saluons Junior Paul Célidon. N'avait salué Versius Jean, n'avait salué la sœur Roselaine Félix et n'avait salué le frère Monelson Baléus. N'avait salué le frère Wildens et c'est Christophe. Et n'avait salué la sœur Roselaine Félix, yonna animateur émission 8-18 yo. Et n'avait salué la sœur Bernadette Mathurin encore une fois qui t'a béni nous à travers un cantique. Nous recevons bénédiction la sœur Bernadette Mathurin. Merci le fait que vous connaissez nous c'est nous ce sont des bénis. Moi saluer le frère Patrice Saint-Just, coordonnateur émission 8-18. Et nous saluer toutes les amis qui branchent nous et qui suivent l'émission ça. Rapidement, nous disons que ministère 8-18 TV, c'est chaque mercredi. Et 7h30. Chaque jeudi 7h30, chaque vendredi, chaque dimanche, je m'excuse, chaque dimanche 7h30. Pas oublier à soirée assez à nous pour nous capables d'expliquer la parole ou pas bien vidéo, mais dimanche si Dieu veut, n'apprenez n'importe vidéo qui nous inspire de lui. Pour nous capables présenter bail monde là nous entrer dans campagne d'évangélisation côté li important pour nous capables mettre la médiocrité en face à la lumière de la parole tout ça qui est médiocre nous présenter en face la parole. Jésus-Christ te kon fait ça rencontrer présenter pharisiens yo et même traiter yo de ton blanchi le fait que yo fait apparence de servir Dieu mais au fond pas gen rien qui réel et ben c'est même moment ça qui existait dans moment ça yo plus utiliser l'évangile pour faire business pour faire des bric-à-brac donc qui contraire à la parole de Dieu. N'a dit que l'évangile est réel. Si gon bagay qui réel dans le monde, c'est l'évangile. Eh bien nous besoin des hommes et des femmes qui disposent yo pour yo capable prêcher l'évangile et avec autorité et clarté et nous espérer c'est ça qui l'évangile. Si des politiciens pas peur pour un pouvoir éphémère qui prend le passé, ils pas peur camper pour dénoncer l'autre politicien soit qui voulait faire magouille quelconque pour prouver bien que et dans la politique toujours gagner mensonge. Et mais pourquoi pas dans l'évangile pas des hommes
et des femmes qui d'accord dénoncer ça qui pas vrai. Parce que gon réalité. Politicien a goumé, il a dit oui, mais ça qui est réel là, mais ça qui est dans la constitution, mais ça doit respecter dans la constitution. Et pourquoi? Pour l'évangile, pour baguer des hommes et des femmes qui campaient, et quelles que soient les conséquences, pour dénoncer et l'ignorance, la médiocrité dans l'évangile qu'a prêché à travers le monde. Donc chaque dimanche régulièrement, n'a venu avec une vidéo justement pour nous capables de montrer et tellement médiocrité a en pile et combien de monde cap suivre médiocrité a que la vérité. Bon, nous rentrons dans le sujet, nous pas prêter avec quoi soit généralement n'a pas d'eau. Prends plumeau, prends caillou parce que n'a pas quelques textes sous question être sauvé pour l'éternité. Nous lisons texte qui c'est dans Jude. Jude chapitre 1er à partir du verset 1er. Le texte nous dit Jude, pas oublier Jude était l'un des apôtres de Christ. Eh bien, Jude a fait introduction l'évangile ça, il dit Jude, serviteur de Jésus-Christ. Notamment, la Bible parlait de l'adresser yon bien-aimé comme serviteur, ça veut dire yon serviteur. En d'autres termes, on capable dit esclave de Christ. Yon moun ki serviteur de Dieu, en quelque sorte, ou se yon esclave de Christ. Ou kon sa ou esclavye? Yon esclave, se yon personnage ki obéit totalement avec maître li. Non seulement la bien pou l'obéit totalement, sans contrainte, sans murmure. Donc c'est ça, yon esclavié. Et mais là la Bible dit, Jude, serviteur de Jésus-Christ, ça veut dire esclave de Jésus-Christ. Donc le maître est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, rapport yon maître avec yon esclave, ça veut dire yon esclave li dépend de maître li. Et qu'on sait aussi maître li décide tout yel. Li dit m'a tout yel esclave là. Le fait que esclave là obéit avec maître li, donc li prêt pour le prendre type de mort ça dans mes maître li sans pas prier. Et bien son métaphore pour nous dire servir le Seigneur, l'on dit moi c'est serviteur de Dieu. Moi c'est serviteur de Christ. En quelque sorte, ou dit ou c'est l'esclave de Dieu. Ça veut dire tout ça met tout mandat pour obéir ou obéir. Le vit souvent monde qui poko croyo, yo traité en pile croyance à yo monde fou. Parce que onde côté nous et plogea li différent avec yon onde mode la plogue. Serviteur de Christ, c'est l'esclave. Tout salement de pour faire et ou fait et ou prêt pour obéir à mes tout et mes tout connaît que lui-même li gen pouvoir de mort et de vie sou. Et bien ça signifie. Ça veut dire l'ordre où c'est serviteur de Dieu. Dieu gen pouvoir de mort et de vie. Est-ce que tu connais ça? Bon, peut-être gen pile moun qui nous appelle l'évangile ça. Mais c'est ça lié. Pendant ma prêcher l'évangile là, maintenant gen doit dire m'a retiré souffle monsieur.
C'est un esclave moins. Et puis, l'autre esclave, il doit lever, mais il en lèvre, il dit, à ou même soit la gloire, l'honneur, la majesté au siècle des siècles. Mais ça, esclave là, mais ça, serviteur là, mais ça, servante là. Vous comprenez? Maintenant, on va continuer dans ce sujet. Être sauvé pour l'éternité. Étant que l'esclave, donc pendant que nous avons mettre le pouvoir à la vie et de mort sous moi, mais je vous garantis. Si je ne peux pas mourir pour mettre, m'pa pè mouri pou mèt mwen tout. M'pa pè pou m'viv pou mèt mwen. M'pa rot pou m'viv pou li. M'pa pè pou mouri pou li. Ça veut dire li ban mwen garanti mwen wè devan a fèm. Ou konn langage ça, mwen wè devan a fèm. Ça veut dire mwen wè bénéfis mwen. Et moun ki pou comprendre l'évangile. Parce que pourquoi wè bénéfis yo? Je n'ai pas ouvri assez. Non seulement maintenant, ben moi le salut éternel. Ça, salut éternel là, c'est une assurance qui souvi ou, quel que soit sacrivé ou vaillon en yon existant pour l'éternité, ou va vivre yon vie bienheureuse pour l'éternité après la mort. Donc, ça son grande bénédiction. Qui ça pour moun ta capable recevoir dans mais tout le fait que li ba on assurance pour vivre éternellement dans la toute bénédiction. Maintenant Jude dit: alors, serviteur de Jésus-Christ, frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés. Cela veut dire Silayo qui que Dieu mettez à part comme une propriété privée. Asilayo qui à part pour seulement là pour glorifier le seul vrai Dieu. Alors, je dis à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu, le Père gardé par Jésus-Christ, et puis Jude, dans l'introduction, il dit que la miséricorde, la paix, l'amour vous soient multipliés. Même dans la version qui me remet en pile, dans la version du second, et expression tellement paraît yo pa gen meaning la dan yo, et dans l'autre version, dans le verset 3, il dit très résigné: lorsque je me suis appliqué avec toute diligence pour vous écrire de notre salut commun. De notre salut commun. Tu vois? Il était nécessaire pour moi de vous informer et vous encourager à vous affirmer avec ferveur pour la foi réelle qui a été accordée irrévocablement au saint. Même l'expression, l'adverbe irrévocablement au saint, ça veut dire la foi qui a été donnée, qui a été
généralement donné au saint, la Bible dit, c'est la foi qui irrévocable. L'église là, li gagne la foi commune, yon salut commun, et la Bible montrait tout ça qui au bénéfice des saints qui a servi le Seigneur. En même temps, Jude a montré Seyo qui ça qui réservé à Silayo qui justement rentré secrètement en dans l'évangile pour faire propre affaire payo. Donc Jude a expliqué à avec Seyo qui récompense qui réservé à yo. On nous lit. Dans le verset 4, je dis car il s'est glissé parmi vous certains hommes. C'est là qui fait l'évangile, qui prend l'évangile d'assaut, à travers c'est là qui pague yon foi qui diam, pour capable que y'a un pile qui prend l'évangile d'assaut pour justement faire yon mouvement personnel. Eh bien, Jude dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Même gens, des prédestinés, des élus, des électés des avant la fondation du monde, doivent connaître le salut que Dieu baille là. C'est pour ça le living baille sous la terre, mais c'est un salut qui est déjà dans le plan de Dieu pour nous. À travers la parole de Dieu, nous venons reconnaître ça et nous à manifester la foi, l'amour que Christ a et de Dieu à nous. De même, si là et tout qui glisse parmi nous secrètement. Donc, gagnez une récompense pour vous. La Bible dit, mais qui s'est récompensé pour vous? Qui s'est pour vous? Notamment, vous avez une condamnation qui écrit depuis longtemps. C'est là qui voulait prendre l'évangile ou bien qui voulait changer la grâce de Dieu en des règlements, en religion. Si la yo qui reniait notre seul maître, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Donc la Bible dit, nous pas besoin de problème avec ça, le fait que yo prend l'évangile d'assaut. Condamnation déjà, lettre de condamnation déjà écrit déjà. Récompense déjà là déjà même gens assis là yo moun qui sauvé yo salut nous li là déjà c'est seulement manifester salut manifester foi à travers la parole de Dieu. Ça veut dire c'est pas sous la terre, l'église l'a sauvé. Il y a moins de prédicateurs qui prêchent ça. Mais sauver hein, le salut éternel, c'était dans le plan de Dieu. Et Kounia, la Bible dit que n'a manifesté. Qui ça salue aïe? N'a prend quelques textes pour nous capables de comprendre ça. Dans Luc chapitre 1er verset 69, suivez-moi. Mbap Kembeo. Luc
Luc chapitre 1er verset 69. La Bible dit verset 68, 69 et 71. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il l'a visité et racheté son peuple. Béni soit Zacharie qui est rempli de l'Esprit Saint, qui a prophétisé. Il dit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. J'aime l'expression ou bien le verbe racheter. C'est pas l'homme qui dit racheter son peuple, c'est Dieu. Et racheter ici par le même sens avec aller dans le marché, acheter quelque chose. Mais racheter son peuple, c'est racheter l'âme de ce peuple. Ça veut dire, le peuple de Dieu de se confiant que l'y racheté par son Dieu. Ou appartenu totalement avec ton Dieu. Dans le verset 69, et nous a suscité un puissant sauveur. Il y a le salut qui est le nom. Il y a le sauveur, c'est un personnage qui portait le titre de sauveur. Eh bien, le salut vient de ce sauveur-là, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Verset 71, un sauveur, ou un côté salut est sorti, un sauveur qui nous a délivré, ou bien qui nous délivre de nos ennemis. Un sauveur, moun qui gen salut, l'y délivrer par la foi de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Généralement, yo sauvé par le sauveur. En d'autres termes, ligue yo seule vision. La vision de voir Christ seulement par la foi. N'y pas affaire avec aucun autre. Parce que, un, le peuple a été racheté. Deux, le peuple a été délivré de nos ennemis, de ses ennemis. Et de la main de tous ceux qui leur haïssent. En d'autres termes, ce sauveur-là, il a pris tous nos fardeaux, tous nos ennuis. Donc, ils ont sauvé, ils ont électé. Il n'y a pas de penser négativité du tout. Yo sauvé croit dans la positivité. Li très positif, quel que soit vents et marées. Mais ça ont électé, mais sont sauvés. Dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, verset 9. La Bible dit, Jésus-Christ
relation Jésus-Christ avec un homme qui était relé Zaché et une foi le Seigneur Jésus-Christ le sauveur qui c'est le porteur du salut lui rentrer qu'à Zaché physiquement et le Seigneur Jésus-Christ dit au lieu de dire sauveur il dit c'est Jésus-Christ qui rentrait il dit le salut est entré aujourd'hui dans cette maison le salut ça veut dire le Seigneur Jésus-Christ est notre salut en d'autres termes leur dit où sont sauvés ça veut dire où sont positifs dans toutes les choses pensez au positif action positive tout ça on va entreprendre l'idée positive petit tout sont positifs madame Marie sont positifs ça veut dire monde qui sauvé à lui pas croire dans négativité du tout. Même la terre tape effondrée, yo vinn di la terre effondrée. La terre pral effondrer puisque ils sont positifs, li rete dans la positivité et le croit généralement pas gagner qu'arriver en dehors de ce salut. En dehors de ce sauveur. Voilà yo. Yo moun qui recevoir le salut. En Christ. Au dernier texte, dans Jean chapitre 4, Jean chapitre 4, le verset 22. La Bible dit le Seigneur Jésus-Christ répond aux femmes qui étaient à la recherche de Dieu pour l'adorer. Et femmes n'ont pas de connaît, femmes n'ont pas sous la loi et grand-papa, grand-père dans la foi, te qu'on montre mes côtés pour joindre Dieu. Ceci est tellement vrai, la Bible dit femmes n'ont pas adorer seulement sur la montagne. Et le Jésus-Christ, le salut, le sauveur, qui vient sauver, le délivrer par la foi, la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Verset 22. Mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Ça veut dire personnage qui a parlé vers là, qui s'est petit qui est juif. Salut à les vindéo. Alors. Moun qui sauvé à moun qui recevoir le salut éternel là. Li pa quoi non building. C'est pas non building salut aïe. Li pa quoi non 40 jours. Salut à pas là. Li pa quoi non jeûne veille nuit. Salut à pas là. Li pa quoi aller sous la montagne. Li pa quoi non prophète prophétiser pour lui. Seulement moun ki croit nan li même li positif donc la vie la expérimenter le salut qui c'est le Seigneur Jésus-Christ en lui le Seigneur Jésus-Christ en nous étant que yon sauveur qui rachete nous et qui délivre nous de tout moun ki te salue li pa croit nan diable yon fabriqué. Il pas croire dans promesse moun fèl.
parce qu'elle croit également dans promesse Christ fait qui en donne et qui développe dans l'île de chaque jour. Et pour me quitter, chers téléspectateurs, ou même qui peut-être fait rencontrer avec émission Ubu 13 TV, si vous avez plus d'explications que vous avez aimé joindre, tapez David Sirey sur YouTube. Ou avez tout enseignement sur le salut. Mais à soi, nous devons et nous comprendre. Même récompense nous gagnons tant qu'esclaves, nous gagnons la vie bienheureuse qui est réservée à nous. La vie nous pas dépend de nous. La vie nous dépend de maintenant. Maintenant, nous avons le pouvoir de vie et de mort sur nous. Nous croyons ça. Et mais nous hériter la vie éternelle. De même tout, un groupe moun qui prend l'évangile d'assaut pour yo capable égarer toute yon popularité. Donc la Bible dit yo gen propre récompense déjà écrit, c'est là la condamnation éternelle. Ça veut dire ou même qui sauvé rete positif. Yo sauvé yon moun ki gen salut. Accidentellement, li gon malheur ka rive, l'on bagay ka rive, et puis tout moun di oh. Ou même ki tombe dans ça, mais son accident. C'est pas un fait exprès parce que li geta konnen tout bagay yo. Li geta konnen toute la vérité ya déjà. Li konnen réalité ya. C'est ça qui yon sauvé. Sauvé ya. Qui sauvait depuis, qui reconnaît qu'elle sauvait des avant la fondation du monde, c'est pas une licence qu'elle gagne pour faire ça pas bon, au contraire. C'est moun qui bien protégé, qui bien enseigné par l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint conduit dans la bonne voie. Et dernier texte pour me quitter, mes chers amis, c'est dans Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Verset 1er rivé jusqu'au verset 7. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Écoutez ça. Paul qui a écrit l'église d'Éphèse, il dit aux saints qui sont à Éphèse. Qui moun ki ka sanctifié tête? Personne. C'est yon don que Dieu fait cadeau à moun qui croit, à moun qui destiné à obéir. Il dit aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Les saluer au consacre, que la grâce et la paix vous soient multipliées de la part de Dieu notre Père, du Seigneur Jésus-Christ. Verset 3. Paul dit l'église d'Éphèse, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. Le verbe bénir au passé composé, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Ça veut dire non seulement moun ki électé a li kwè dans la positivité, donc li gayon yon bloc de bénédiction k'a développé nan li dans la ville au jour le jour au fur et à mesure. La Bible dit de toute bénédiction spirituelle et qui côté lié dans les lieux célestes en Christ. Sauvé, c'est en permanence lié en Christ. En permanence, lui protéger, garder et demeurer en Christ. Verset 4, en lui, Dieu, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, nous a élus au passé, écoutez, avant la fondation du monde. Éphésiens 1er verset 4, Dieu nous a élus avant, mes amis, qui ça avant, c'est ça son la préposition avant. Marquez que avant le monde existait, nous a élus avant la fondation du monde pour
nous faire croire pour que nous soyons saints. Nous, elle était pour nous saints. Et irréprochable, gardez texte, hein? Verset 5. Il nous a prédestinés dans son amour à être enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Moun qui sauve yo, yo gagne le pardon des péchés par le sang de Christ. Selon la richesse de sa grâce. Et pour me quitter, aller, Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car, comment me recevoir le salut ça? Par grâce. Grâce signifie une faveur. Il y a donc que me recevoir. C'est pas jeûne, c'est pas veille de nuit, c'est pas 40 jours, c'est pas réveil, c'est pas croisade qui bat moine. Mais c'est un don. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. La foi qui a été transmise au sein. Dans Jude 1er verset 3. Voyons. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Salut, on n'est pas venu de où? Ça veut dire, généralement, si Hébreux 13:8 TV tape un conseil, nous te mettons fermé tout building, ça y est, qui te nous libre, tout prédicateur, fait servir d'évangélisation sur les eaux. À ça t'a dit, il y a des gens qui disent, monsieur, parce que ça vient retirer manger dans le bouche, vrai. C'est la donne qui fait. Et c'est là que les c'est là business c'est là yo paye l'école timounio, c'est là yo acheter caillo, c'est là yo acheter belle machine yo pour pasteur a dit fermer building yo prêcher sur les ondes. Mais mes amis, technologie a tellement avancé, si gagne des prédicateurs qui gagne une vision pour prêcher l'évangile tout bon vrai. On pas besoin de temps. Je dis hein, Dieu prouvé à pouvoir avec autorité qu'elle voulait sauver l'humanité, que tout le monde ait accès pour capable suivre l'évangile. Fermez building. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas d'un pasteur. Cela ne vient pas d'un évangéliste. Mais c'est un don de Dieu. La Bible dit, c'est pas même par les œuvres où on se voile, c'est pas par les œuvres qu'on fait. Il dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Christ au passé. Le verbe être créé à la forme passive au passé composé. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Moun qui sauvé, les vivent dans ça qui droit. Les vivent dans ça qui réel. Moun qui gagne salut éternel là, li pa gagne bluff la kayli. Li pa bluffeur. Li réel. Elle veut réel là tout ça l'a fait. Voilà moun qui sauvé. Moun qui recevoir salut, moun qui électé, moun qui élu dès avant la fondation du monde là. Li pa gen pou vinn prêcher pour la gon coup la passer pour dire l'autre bagaille. Parce que Dieu spirituel li focus sur le Seigneur Jésus-Christ et dans toute la vérité. Chers téléspectateurs, amis auditeurs, ou t'a écouté l'édition Hébreux 13:8. Dans un sujet. Être sauvé pour l'éternité.
Et c'est tout un package. C'est toute une responsabilité pour les gens qui sauvent, vivent dans la droiture, dans la justice et vivent dans la réalité. Si par hasard, accidentellement, qu'on malheur arrive, c'est à la seconde de reprendre. Ou pas besoin même juger ni blâmer parce que le connaît erreur qu'il fait. Et automatiquement, si c'est yon qui fait yon bagay quelconque entre yon, yon entend yon et yon encore continue pour yon servir le Seigneur. Que le Seigneur bénisse tout le monde qui t'a écouté, qui t'est branché dans Hébreu 13 TV. Toujours branché. Tapez David Sirel sur YouTube. Pas oublier. Enregistrez dans la page là. Like page nous sur Facebook. Allez sur YouTube. Enregistrer, même sous pas là pour t'attendre, yon l'évangile, mais la bine joint nous parce que t'es enregistré. Merci pour tout le monde qui t'écoute. L'édition Hébreu 13:8, n'a souhaité tout le monde bonne soirée, bonne semaine, à dimanche pour yon l'autre émission Relé Hébreu 13:8 TV. Correction. À bon entendeur, salut, que le Seigneur vous bénisse. Merci en pile. Consider the secret life of the innermost nesting doll, living most of her life in